Bon alors faut aller sur E. Allez, on est go. C'est quoi ça? C'en est un ça non? Oh putain, oh lui, pleine tête. Et bim! Wouah! Wouah, il a explosé! Wouah! Oh putain, moussi! Yep yep les amis, c'est Rampage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Insurgency pour tester la nouvelle map Outskirts ainsi que les deux nouvelles armes. On est sur les serveurs de test, donc on va faire ça en avant-première. Il y a deux nouvelles armes, donc c'est pas n'importe quelle arme, c'est quand même du lourd. Ils nous ont mis deux snipers de calibre 50, le M82A1 ainsi que le M99. Donc c'est vraiment c'est les gros snipers anti-véhicules, ça passe à travers les véhicules, à travers les murs. J'ai cru même voir sur leur site qu'ils parlaient de pouvoir abattre même les hélicos. Donc si on tire dans le rotor, je pense que l'hélico tombe à tester. Mais franchement c'est vraiment du lourd ce qu'ils ont mis là. Et on va tester ça tout de suite. Donc la nouvelle map aussi, je la découvre comme vous, on va voir ça. Mais elle m'a l'air bien sympathique, en tout cas sur la photo, ça avait l'air d'être un peu genre immeuble ruine, voilà comme on voit là. Sur plusieurs étages, donc beaucoup de vertical. Et ça, je pense que ça va être au top. Allez, c'est parti, on se concentre. On va essayer. Bon, on n'est pas beaucoup sur le serveur. C'est les serveurs test et... Ah, il y en a un là. Ouah, le recul! Ah ouais, c'est le gendarme. Et en plus, j'ai tenu la respiration pour justement éviter que ça... Il y a trop de recul, mais ouais, c'est le gendarme, je pense que... Faites-vous voir. Ouais, le bipier se met automatiquement. Donc ouais, je pense que c'est vraiment le gendarme qu'il faut jouer allongé, quoi. Ou en tout cas accroupi sur un support, sur une voiture ou sur une caisse, n'importe quoi. Mais ouais, bipier limite obligatoire, parce que là, ça va être dur de la jouer debout. Et en même temps, c'est pas des snipers qu'on joue debout. C'est vraiment le sniper longue distance qu'on va jouer. D'ailleurs, je vais essayer de trouver un spot là. Ça m'a l'air bien sympathique ici. La carte est magnifique. Mais ouais, il faut vraiment que je trouve un spot longue distance pour pouvoir m'allonger et puis repérer les ennemis. Je pense qu'ici, ça peut être pas mal ici. On est légèrement en hauteur. On a une bonne vue. Mais la carte est vraiment magnifique. J'adore ce genre de carte un peu ruine, immeuble, complètement bombardé sur plusieurs étages. C'est vraiment stylé. Et on peut dire que graphiquement, elle est vraiment propre. Alors, est-ce que je vais en voir? Franchement, je la découvre comme vous, la carte. Alors, je vois que le point C, il est là-bas. Donc, j'imagine qu'ils vont arriver face à moi, là. Ou peut-être sur le côté gauche. Je sais pas trop. Je connais pas. Là, j'en ai vu un. Ouais. Oh putain, il y a le mur. Dommage, j'aurais pu tirer, mais un peu trop tard. J'ai mis trop de temps. Ah, oh, il m'énerve lui, il joue au cache-cache là. Si je le revois, je tire, tant pis. Pas le temps de. C'est vraiment des trous de souris là. Allez, allez, allez. Je crois pas que je l'ai eu. Alors, il me semble pas l'avoir eu. Et les mecs peuvent se planquer n'importe où là. C'est. Il y a plusieurs étages comme ça. Ça doit être vraiment pas mal. Et ouais, vu la carte, je pense que d'avoir mis les snipers là, c'est une bonne idée. Sachant que c'est limité, c'est un ou deux snipers par équipe. Vas-y, remonte-toi, toi. Oh lui. J'ai eu ou je l'ai pas eu? Je l'ai pas eu. Tiens! Oui! Calibre 50! Ah, mais vraiment, le bruit est juste énorme aussi. Ah, je pense que là, si je tire la tête avec ce genre d'arme, ça explose. Ah, c'est du lourd. Bon, c'est pas l'idéal ce que je suis en train de faire, mais bon, on va quand même essayer. Tenter d'aller
d'aller sur les points avec un snipe, c'est pas au top. C'est pas du tout un bon spot ici pour moi. Là, il y en a un. Oh, qu'est-ce qu'il a fait lui? Je crois qu'il s'est explosé la gueule. Ou alors on lui a jeté une grenade, mais je sais pas. Il a pété direct. Mais ouais, là je suis vraiment. Ouais, non, c'est pas une bonne position ici. Ouais, bah oui, évidemment. J'étais vraiment pas au bon endroit. Avec le snipe, c'est pas top. On va regarder un peu vu de l'intérieur, vu que j'ai pas pu vraiment rentrer. Mais ouais, regardez ça, c'est... Ah ouais, on joue à la verticale, c'est génial. Sur plusieurs étages comme ça, ça change. Ça change un peu de toutes les autres maps. Et franchement, j'aime bien. Alors, il va nous faire quoi, lui? Ah, il l'a vu. Ok, allez, à mon tour de jouer. Mais ouais, j'ai pas. Bah, je connais pas la map encore, donc il faut vraiment que je trouve des bons spots pour ce genre de calibre. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas le top pour rusher. Déjà, à moins de lui mettre peut-être un petit pointeur rouge, et encore vu le recul de l'arme quand on court, c'est pas idéal. Ah, là, ça peut être pas mal ici. Voilà, j'ai une bonne vue. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que j'ai une vue, mais que sur les collègues, là, d'ici. Donc les autres arriveraient sûrement par derrière ou par l'immeuble qui est en ruine, là-bas. Je vais essayer de me décaler sur la droite. Peut-être j'aurai un meilleur angle. Ok, ici, on peut pas y aller. Ouais, ok. Ici, c'est bon, ici. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas une très bonne vue, ici, par contre. Faudra peut-être que je continue. Ouais, je vais. Bah tiens, je vais suivre. Ouais, je vais suivre lui. Voilà. Il va me servir de bouclier, on va dire. Voilà, il va là, ok. Et là, je vais essayer de décaler sur la droite. Ah, là, je pense qu'il y en a un pas très loin. Ah, il est juste là. Non? Vas-y, sauvez-le! J'en étais. Ah, je l'avais vu, mais. Ouais, j'étais pas sûr. Ok. Waouh. Ah ouais, ils sont vifs en face. Bon alors, on va essayer de... Ouais, bah de retourner au spot où j'étais, mais... Peut-être que j'étais un peu trop avancé là, du coup. Ah, c'en est un ça là-bas. J'écrivore, hein, gars. Allez, reviens. Voilà. Bon, mais les amis, on était sur un serveur push. Donc bah là, je vais tester un peu le mode coop, histoire de voir un peu ce qu'ils ont fait. Donc bah, ils ont rajouté aussi donc nouveau mode, j'en ai pas parlé, mais nouveau mode hardcore, donc les checkpoints hardcore, c'est-à-dire qu'on voit pas les points A, B, C, D, tout ça, voilà. Donc c'est pas mal, je pense que c'est pas mal surtout quand on connaît un peu la carte, parce que ça doit être quand même pas évident au début quand tu connais pas la carte et que tu vois même pas les objectifs tout simplement. Donc bah là j'ai pas mis ce mode là justement parce que je vais un peu m'habituer à la carte. Et voilà, donc là on joue contre des PNJ en coop. Et on va voir un peu ce que ça donne. J'ai quand même repris encore le sniper, mais je pense que je vais plus la jouer au flingue là pour l'instant. Rusher avec un snipe, ça va pas le faire. Oh, j'ai plus de balles. Vite, j'ai pas d'arme. Oh putain.
Ah, bien tenté la petite grenade. Ah putain. Ouf. Tiens. J'ai bien visé là, non? Ça s'appelle un ball shot. Ok, ça c'est les collègues. Allez, faut détruire cet objectif B, on va le détruire. Un petit peu de C4. Allez, c'est parti, on se casse, on fait péter. On va se mettre à l'abri quand même. Ouh, wow. Ça c'est de l'explosion. Allez, go sur C. Masse là-bas. Ouais, vraiment pas mal le sniper là, vraiment pas mal. Une bonne cadence de tir en plus. Donc de base il me semble qu'il est équipé de 5 balles dans le chargeur et on peut l'augmenter à 10 balles dans le chargeur. Donc ça coûte quand même 4 points le fait de mettre une petite extension au chargeur. Et là-bas, il y en a un qui vient de me tirer. Je le vois pas. Si, il est là-bas, ok. Il va sûrement essayer de passer par la droite, je pense. Ouais. Oh. Collègue, attaque au RPG, il s'est fait déglinguer. Ok, il est juste là. J'espère qu'il va pas passer sur le sur la gauche, sur le petit talus là, parce que sinon je suis mal. Je vais reculer un petit peu. Voilà, là c'est pas mal ici. Ouais, juste là. Ok. Bon ben les amis, en tout cas, je pense que la carte, je valide. La carte est vraiment pas mal, ainsi que les deux snipers sont vraiment au top aussi. Et ben, j'ai hâte que tout ça, ça sort. Parce que là, je pense qu'ils nous ont fait quand même du lourd. Je m'y attendais pas à ce qu'ils nous sortent des snipers calibre 50. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et toi, je t'ai vu. Voilà, allez, ça c'est fait. Et en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Les développeurs suivent le jeu, ils travaillent dur dessus. Et ça se voit, ils nous sortent souvent du contenu. Et je pense que ça va continuer ainsi. Et j'attends toujours les maps de nuit, moi j'adore ça, avec la night vision, tout ça. Donc je pense que ça va se faire. Il faut laisser le temps, voilà, ils optimisent. Ils vont... En plus, ils ont sûrement la préparation console à faire, donc pour la sortie du jeu sur console, et donc c'est prévu pour 2019, on n'a pas de date précise encore. Et toi, je vais te péter à la grenade, et c'est ici que la vidéo prend fin. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les amis, et à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'était Rampage. Je vous souhaite une bonne journée, j'ai plus de balles, une bonne journée ou une bonne soirée, allez ciao.